Chaque jour, ici, les paroles disparaissent, sortent d'emballages perdus, mais ces premiers cris représentent pourtant le murmure et la pensée confuse d'une ville qui naît. Moi, j'aime beaucoup les tours à Manhattan, j'aime beaucoup les tours du Front de Seine, de la Défense. J'aime beaucoup ça comme architecture, même mélangé à des immeubles plus anciens. Je trouve pas que ça s'insère mal dans le paysage. C'est quand même très agréable, hein. Surtout quand on est assez haut. C'est vraiment un point de vue. Mais soyons justes, c'était sordide le quartier où il y avait la tour autrefois. Je vous garantis, excusez l'expression, mais était plutôt crasseux le visage idyllique. On ne peut pas construire au XXe siècle comme on construisait au Moyen-Âge. On est bien obligé d'employer les matériaux qui sont d'actualité. On n'y arrivera jamais, qu'est-ce que tu veux? Tu as vu ce que nous a répondu la femme l'autre jour? Il n'y a rien pour les chiens. C'est toujours pareil pour le dépenser, pas pour acheter des conneries, hein, pour acheter ce qui me plaît à moi. Pas ce qui plaît aux autres, parce que la plupart des millénaires. J'estime qu'à ce point, j'aime les voisins. Les gosses dans les ascenseurs, c'est encore un travail. Ils brisent tout, ils cassent tout. Les boutons, ça fait déjà deux fois qu'on remplace les boutons. Ben oui. Et alors c'est un vrai tour de cochon qui m'ont fait, croyez-moi, de me mettre là-dedans. Parce que moi j'aimais mieux quand même mon petit quartier d'avant, où vraiment on se connaissait, on était environnés de gens. Si par malheur il le frotte en tirant sa cigarette, c'est une torche vivante dans l'ascenseur. Et ça sera la faute à qui? Moi, le numéro de ma porte est 1071. Soit chacun fait ce qu'il veut. Alors, la collectivité, moi, c'est pas ça. Votre vie, on peut pas s'acheter n'importe quoi maintenant. Plus il y a de monde, évidemment. On va jouer un ouvrier, on peut pas s'acheter n'importe quoi. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont en prison, c'est tous des ouvriers. Hein, on verra jamais un avocat en prison. Un ascenseur. Bon. Ouais, alors, pourquoi ici on filme dans un ascenseur? Mon mari se sent bien. Dans la mesure où il part le matin à 8h, il rentre le soir à 7h, il ne vient ici en fait que pour voir ses enfants manger, se coucher. Bon, ben quelquefois, on voit des choses qui tombent par la fenêtre, des choses comme ça. De l'eau, les gosses, les enfants, fortement. Il m'est même arrivé de bloquer l'ascenseur avec une dame à un étage pour finir la conversation. Un cahier d'écolier. Faire des avions. Qui se promènent aussi dans les bacs, il y avait au moins une cinquantaine de fléchettes par terre sur la dalle. Et on n'arrive pas à éduquer les gens. Ils sont tout de même là. Qu'est-ce qu'ils font, les parents? Par exemple, je vois mon père, il est tout à fait d'accord avec moi. Hein. Il les laisse faire. Il n'y a pas d'autorité. Plus ça va et plus ça ira, plus ça sera. Il y a un gosse qui ne veut pas monter. On ne peut plus rien faire maintenant. Ah, c'est pas comme avant. Avant, les jeunes, ils se fendaient la gueule. Il en fallait pas beaucoup pour se marrer. Maintenant, même avec tout ce qu'on a, on arrive encore à s'emmerder. Aujourd'hui, c'est ça. Je suis pas folle du soleil. Moi, j'aime la vie, même l'automne et le printemps. Et puis, j'aime la vie en ville. C'est très loin de ce que je m'imaginais. De toute façon, il y a toujours un moment dans la vie où on trouve quelque chose à faire. Hein. Sinon, on est charclos dans le métro. Moi, j'ai décidé de revenir travailler sur Paris. Pour travailler, c'est quand même plus facile. Alors non, les tours, c'est pas intéressant. Pas du tout. Pas pour nous. C'est-à-dire, nous... Les personnes âgées, les retraités, peut-être pour les jeunes. Ah, je suis née rue Jeanne d'Arc prolongée. Depuis 50 ans, je monte plusieurs fois par jour mes 6 étages. Eh bien, je vous garantis que je serais bien contente d'habiter une tour et de ne pas monter à pied. Moi, je suis revenue à Paris avec un frigo et 7 moumes. Hein. C'est pas mobilier zéro. Oh ben moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus ces espèces de taudis qu'il y avait avant. Bon, j'avoue que c'est quand même très agréable de se dire qu'à moins de 5 minutes de chez soi, on peut aller faire de la poterie ou du tissage ou de la peinture sur soie ou d'autres choses. Je ne peux pas, enfin, à cause des 3 enfants, utiliser au maximum les possibilités qui sont offertes ici, mais enfin, c'est toujours agréable de savoir qu'on peut le faire. Je crois surtout qu'ils ont essayé de mettre dans un endroit assez petit le plus d'immeubles possible. Et le reste, ils s'en foutent. Moi, j'ai eu un frigidaire... voyons en quelle année, c'est en 1950. Parce qu'il y avait des gars avec des bousons noirs, ouais, ça y est, vous foutez la merde, tout ça. Par exemple, on va dans un café, il y a des personnes qui voient des bousons noirs, tout de suite, c'est des voyous, c'est des bons à rien, ils travaillent pas, ils sont au chômage. Il est évident que n'importe où dans le monde, les premiers coups de téléphone entre une opération et son inauguration, quand elle fait une taille moyenne, c'est un minimum de 10 ans. En 10 ans, l'économie d'un pays, l'économie mondiale, les besoins, les idées, tout ça a tellement changé qu'on vous dit très souvent que ce soit fini, oh là là, comme vous êtes trompé, comme c'est idiot. Ben, bien sûr, c'est évident. Alors, on modifie d'ailleurs pendant le tiers de ce temps, mais à partir du tiers du temps, au bout de 3 ans, 4 ans, c'est figé, faut le faire. Je construis avec de la pierre, je construis avec de l'argent. Pour des hommes, je construis quand même avec les choses qui peuvent se faire. Je pourrais faire n'importe quoi, je ne saurais plus quoi faire du tout.
C'est pas parce qu'aujourd'hui on me dit de coucher les tours, de mettre un toit dessus et des fenêtres à la française, que j'estime que c'est ce qu'il faut faire pour demain. Je ne suis pas un rêveur et je ne fais pas des utopies. Et les grandes surfaces d'espace vert, non, il n'y en a pas et ça n'est pas urbain. La ville n'est pas destinée à être un espace vert. Le propre d'un architecte, c'est d'essayer de rendre des gens heureux. Ce n'est pas seulement essayer de rendre une maison solide, c'est que les gens y soient heureux. C'est des cubes de béton avec un malheureux petit mètre cube de terre. C'est dommage. On a gâché l'emplacement qu'on avait, là, parce qu'on pouvait faire des choses merveilleuses. Il ne faut surtout pas que je construise un bâtiment où moi, j'aimerais l'habiter, parce que nous sommes, pas en tant qu'artiste ni asocial, etc., mais enfin, on mène une vie pas normale. Je ne peux pas me consulter moi-même comme modèle d'habitant. Alors ici, ça nous fera 28, où c'est que je suis ? 10 francs tout rond. Bon, voilà. Et bien, alors, je crois que les trois tours d'Athènes, Mexico et Sapporo, au niveau de l'esthétique, elles sont jolies. Mais ce n'est pas habitable, si vous voulez. Ça pourrait être de beaux bureaux, mais pas habitable. Ces fonctionnements sont devenus tellement complexes que dans ces quartiers verticaux, comme on y a intégré en effet au-dessus l'habitation, à peu près au milieu le travail, au ras du sol le commerce, en dessous les parkings et en dessous encore toute la tripaille, l'imbrication de ces réseaux, l'imbrication de ces fonctions en circulation verticale, en circulation horizontale, en fluide et en réseau, il est bien évident qu'un ensemble comme celui-ci, c'est un peu comparable en effet à la complexité d'un porte-avions. D'ailleurs, il y a un poste de commande dans un îlot de cette taille-là. Autrefois, il y a un immeuble, il y avait un concierge. Mais maintenant, ici, il y a un poste de commande avec des tableaux, avec des télévisions, avec des choses qui s'allument de toutes les couleurs. On sera exactement sur la passerelle de commandement d'un bateau. Bon, tu regardes aussi les pressions, le départ eau chaude, parce que j'ai une plainte d'Athènes, un manque d'eau chaude. La beauté, pour moi, elle est là. Elle naît de la contrainte. Dieu merci. Je pense que ça fonctionne bien. Je pense que les gens qui sont dedans, s'ils ne sont pas parfaitement contents, parce qu'il reste évidemment d'inconvénients, ils sont moins mal qu'ailleurs. On a amélioré la vie urbaine dans ces quartiers par rapport à la vie traditionnelle de Paris. Oh, salut Roland. Dis donc, pour venir ici, on est plus embêté qu'à Paris. C'est une réalisation urbaine de type capitale, faut pas se tromper, c'est pas un urbanisme universel. Ce qui est alors là, est peut-être alors à mettre en cause. Mais pour le problème de Paris, je pense qu'on est arrivé à quelque chose. Ça fait 4 ans que j'habite ici. J'habite dans cette tour-là. Avant, j'habitais dans un quartier urbain, au centre de Paris. C'était pas terrible. Je suis passée d'une vie d'étudiante à une vie de mère-famille nombreuse. Et qu'est-ce que ça voulait dire, la vie d'étudiante ? Alors, ça voulait dire beaucoup de liberté, beaucoup de sorties, une indépendance totale. J'avais envie de me marier. Et partant de là, mon futur mari et moi, nous avons cherché dans Paris un appartement. De tous les appartements que nous avons visités, de tous les prix qu'on a pu revoir sur le journal, c'est ici. Que c'était le plus avantageux. Le plus intéressant. C'était le chambard, c'était tout le monde, tous les ouvriers travaillaient. Je ne pouvais pas dormir. Oh non, c'est bien, j'aime bien. Je me suis habituée peut-être, pas. J'aime mieux. J'aime mieux qu'au début. Lorsqu'on exerce le métier de pharmacien, on prend généralement une pharmacie qui existe déjà. Donc vous rentrez dans un costume qui ne vous appartient pas, en somme. Et là, c'était quelque chose de merveilleux de pouvoir dessiner vous-même à peu près les plans de votre pharmacie, au point de vue grandeur, taille, et dans un complexe qui mêlait toutes les couches sociales, d'une part, tous les commerces qui étaient rassemblés autour de vous. C'était quelque chose qui s'annonçait comme merveilleux. Je désirais avoir des enfants. Quand on a acheté ici, on nous promettait des équipements collectifs, une vie sportive, une vie de loisirs, enfin la vie idéale. Qui, en fin de compte, ne l'est pas du tout. Je venais de province, et en province, la vie, on se connaît déjà plus, pour la bonne raison que les ensembles sont bien plus petits. Et puis, il y a peut-être plus de chaleur, il y a peut-être plus d'envie de vivre. Là, je suis au premier étage, alors en somme, je suis assez près quand même du public. Je peux me mettre à la fenêtre, tandis que quand vous êtes là-haut, tout de même, vous voyez les gens... Ou comme ça. On se retrouve rassemblés dans des immeubles et puis on ne se connaît pas. Donc c'est l'anonymat pur. Oui, je suis un père célibataire avec beaucoup de problèmes. Et pour les résoudre, ma foi, comme j'étais anciennement parisien, vivant malgré tout en province,
j'ai décidé de redémarrer et puis de redémarrer sur Paris. Et vous êtes arrivé à Paris un beau jour avec combien d'enfants? Ben, je suis revenu avec un frigo et 7 enfants. Sans travail, je ne pouvais pas avoir d'appartement. Moi, j'ai dû rester 2 mois de suite dans une place pour pouvoir donner une feuille de paye d'un mois et donner la référence à cette maison. Bon, j'ai fait un extra de 2 mois donc dans le 13e. Et en fonction de cet employeur que j'ai donné, je me suis trouvé parachuté ici. Et puis après, j'ai pu également caser mes enfants dans les différentes écoles. Le problème principal, c'est que d'arriver à faire comprendre aux administrations que des pères seuls, ça existe, des pères seuls avec des enfants. Le premier va avoir 12 ans et la dernière, elle va avoir 17-18 mois, quelque chose comme ça, je ne sais jamais les âges. Mais est-ce que vous avez droit aux différents types d'allocations, d'aide familiale et... J'y ai droit, mais enfin, il n'y a rien de fait encore pour dire qu'en quelque sorte, je suis une mère au foyer. C'est ça le truc. Le lundi, on se lève à 6h moins le quart. Très vite, on prépare les biberons pour les jumelles. Ensuite, mon mari réveille l'aînée, parce qu'elle est très longue à se réveiller. Elle ne veut pas se coucher le soir et très longue à se lever le matin. Alors, on donne chacun un biberon. Je me dépêche ensuite de changer les jumelles, de les habiller pendant qu'il habille l'aînée. Enfin, l'aînée qui a 2 ans. Et puis, bon, bah, très, très vite, on conduit... On prend le landau, l'ascenseur, on se précipite à la crèche. À quelle heure vous devez mener les enfants à la crèche? Bon, on y est généralement à 7h, entre 7h et 7h15. Et puis on dépose les jumelles, on les déshabille, on leur remet les vêtements de la crèche. Le lundi, on va même jusqu'à les peser. Ah, non, on les couche, on les embrasse. Et je conduis l'aîné chez sa nourrice. Et puis de là, je repars à mon travail. Je cavale, c'est-à-dire qu'une journée, par exemple, je démarre à 7h moins le quart. Je les lève, j'ai petit déjeuner et tout ça. 8h30, ils sont à l'école. À 8h30, à l'école, après, c'est moi qui pars. En général, je reviens ici. Jusqu'à vers 9h, bon, bah, je fais ce qu'il y a à faire derrière dans la maison. 9h, après, bon, bah, je m'arrange toujours pour prendre le premier rendez-vous vers 9h30, 10h. Et les enfants sont à l'école, je les fais manger à la cantine. Et ils restent à l'étude. Donc jusqu'à 6 heures, je peux travailler, hein, jusqu'à 6 heures. Dans l'immédiat, j'ai réussi à trouver une étudiante qui vient, qui m'assure 2 heures, le temps de, voilà, 2 heures de garde le soir à partir de 6 heures, ce qui fait que ça me prolonge ma journée de travail jusqu'à 8 heures. Alors vous faites la cuisine, vous faites le ménage, vous faites votre métier, oui, vous faites... c'est pas grave ça. Où je suis née, la rue Jeanne d'Arc prolongée, c'était une belle maison, tout de même en pierre de taille, un 5 pièces. Mais il n'y avait pas de salle de bain. Et puis il n'y avait pas de chauffage central. On avait juste une salle à mande pour chauffer tout l'appartement. Après, je me suis installée rue d'Amem, donc j'avais quand même le confort et j'avais même un jardin, la rue d'Amem. Ah, qu'il était beau mon village, mon Paris, notre Paris. Sur le parvis de Notre-Dame, un vieillard disait tout attendri. Paris, vous l'appelez Paname, mais de l'autre côté, ce Paris, temps. C'était Paris. Oh, pas tellement, moi je trouve que je vis mieux maintenant que... Les gens disent toujours le contraire. Non, moi je trouve qu'on vit mieux maintenant que lorsque j'avais 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je sais pas, les loisirs, tout, on sort, il y a la télévision, il y a beaucoup de choses quand même maintenant. Alors, les vieilles personnes ici, elles doivent s'emmerder. Hein. C'est horrible pour eux, il n'y a rien pour eux non plus. Il n'y a rien du tout pour les personnes ici. Ici, il y a des logements, c'est tout. Le reste, ils s'en foutent. Monte là-dessus, monte là-dessus. Monte là-dessus et tu verras mon arbre. Et sois bien convaincu, tu verras sûrement quelque chose de plus. Monte là-dessus. Ceci était une gare à charbon de 7 hectares sur lequel il y avait 3 wagons, 2 tas de charbon et une dizaine de personnes qui travaillaient. Et bien évident que c'était un terrain mal employé. Alors, à l'intérieur du plan Italie, on a prévu là-dedans la densité normale parisienne avec l'équilibre des habitations et des bureaux. Alors là-dessus, il y a 2500 logements en un bouquet de 3 tours, un bouquet de 2 tours.
Elles n'ont pas toutes été faites, d'ailleurs, parce que comme il y a eu un changement de politique au sujet des tours, cette partie de l'îlot ne sera pas terminée de la même manière. Ça s'est fait relativement très vite. Au fond, une tour comme ça, on la pousse en un an. En un an, l'essentiel de la tour, elle est faite. Il y a le remplissage qui prend encore un an. Mais ça va très très vite. Ça a été fait, cette opération-là, a été faite en moins de 6 ans. Ce qui, pour Paris, très rapide. Et pour un ensemble d'une taille, très rapide. Alors, on a garni avec tout le reste, les équipements. Il y a des écoles, il y a des maternelles. On s'est même payé des sculptures et des peintures là-dessus. Et il y a une vie. Il y a une vie sur cette dalle, dans cet axe-là. Il y a une rue nord-sud parce que le soleil est en gros ici. Le sud étant là, le soleil se déplace comme ça. Et on a à peu près toujours cette rue centrale qui est animée et qui est éclairée toute la journée. Et qui fait centre de petite ville. D'ailleurs, c'est une ville. Une ville dans la ville dont les premiers habitants ne savent pas encore s'ils sont pionniers ou victimes. Alors ils se débattent, se reconnaissent et se regroupent. Ce combat, c'est déjà leur première histoire. De la même façon que beaucoup de gens disent, bien un bateau c'est une grande ville flottante, on a raisonné à l'inverse. On a dit cette grande ville, elle flotte pas, mais ça ressemble quand même drôlement à un bateau. Et peut-être qu'un marin là-dedans ferait l'affaire. Alors, ce syndic est donc allé au ministère de la Marine, et puis il a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'en allait à ce moment-là et qui souhaiterait travailler dans cet ensemble. Et puis, au même moment, moi, je quittais la Marine après une dizaine d'années de service pour des raisons personnelles. Je sentais bien que j'allais être confronté avec toutes sortes de problèmes de la vie civile que je connaissais mal et qui m'aideraient à mieux la connaître, et que d'un autre côté, sur le plan technique, j'avais largement de quoi me contenter, puisque ça correspondait à peu près à ce que je savais faire, à ce qu'on m'avait appris auparavant. Donc le plan architectural, je suis plutôt positif et satisfait. Sur le plan personnel, c'est une expérience et une grande expérience. Je terminerai cette opération avec de nouveaux amis et quelques ennemis. Sur le plan financier, c'est une très mauvaise opération. Elle pèse lourdement sur les fonds de notre société. Franchement, c'est une mauvaise opération. Une très mauvaise opération. Nous l'avons menée jusqu'au bout. Et il y a 10 ans, nous ne pouvions pas connaître le rythme de commercialisation des tours à Paris, dans le 13e arrondissement. Nous ne pouvions pas supposer qu'il y aurait plusieurs tours à la vente en même temps sur le 13e arrondissement. Et comme une tour prend plusieurs années à construire, qu'on ne peut pas la freiner, parallèlement, il y a eu 5-10 tours concomitamment sur le marché dans le 13e, d'où un taux d'écoulement très bas, d'où des difficultés financières pour nous. Nous avons été quasiment jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout, mais le plan financier est tout à fait négatif. On a l'impression d'être trop pressé, parmi les tours il y en a plein partout, et tout autour on a l'impression d'être dans des cages. Partout on regarde, on voit des hauteurs, je sais pas, c'est bête le truc. Je préférais le vieux Paris, c'était mieux, avec des petits immeubles. On a l'impression d'être dans le béton, on vit dans le béton, c'est pourri. Moi je me plais ici parce qu'il y a mes copains, il n'y aura pas mes copains, c'est mort. Hein. Quand on habite dans un petit immeuble, bon ben, à part la concierge, il n'y a personne qui nous fait chier, on est dans la rue, on est tout de suite dehors. Tu vois qu'ici, il y a le PC, il y a les flics, il y a tout le monde. Aussitôt qu'on fait une connerie, tout de suite on se fait attraper. Moi j'aime pas ça. Les gens qui viennent vivre ici, ils trouvent un outil, ils trouvent un ensemble préfabriqué. Hein. Et puis ensuite, ils s'en servent à leur manière, qui n'est peut-être pas du tout la manière qu'avait prévu l'architecte ou l'urbaniste ou les gens qui ont voulu cet ensemble. Il aura fallu 2 ou 3 années pour que les gens commencent à se rencontrer, à constituer des petites associations, des groupes de travail, soit pour défendre leurs intérêts, soit pour mieux s'occuper de leurs enfants. On ne peut pas, avec la meilleure volonté du monde, recréer une ville avec tout ce que ça comporte en 2 ans, ou en 6 mois, ou en 4 ans. Part, tout le monde pleure dans son petit coin. On voudrait peut-être faire quelque chose, on n'ose pas. Il faut toujours un bouc émissaire pour faire quelque chose. On a fondé une amicale dans la tour à côté. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et vraiment, de me faire des amis, puis d'avoir d'excellentes relations avec beaucoup de personnes. Non, au départ, c'est surtout des problèmes de...
des problèmes d'habitat simples. Ouais. Soit il y a des fuites d'eau, des papiers qui sont mal posés. Bon, c'est un problème de défense, quoi. Et puis après, il y a eu d'autres problèmes, des problèmes d'ensemble, de réglementation, des problèmes de sécurité, des problèmes de manque d'équipement, manque de locaux sociaux, manque d'activité, évidemment. Et tout ça, bon, ben, on est arrivé à une super association, quoi. Une association qui, à la fois, défend et organise et essaie d'animer un quartier, essaie de donner une vie à l'ensemble. Je pense qu'il y a des gens qui, de toute manière, enfin, malgré toutes les possibilités de rencontres sur la dalle, de rencontres dans le hall de la tour ou dans les ascenseurs, il y a des gens qui ne se dérangeront pas pour participer à aucune activité. Ça, je crois qu'il y a une question de caractère, mais on se sent quand même pas tellement isolé ici. Déjà, avec le niveau de vie de l'heure actuelle, si on était tous en train de se battre, si on était tous en train de se débiner, ça marcherait pas, ça pourrait c'est un pas mode marcher. D'évasion. Heureusement qu'il y a des gens quand même qui sont copains, qui sont simples et tout. Parce que si avec les comment ceux qui étaient pourris, qui étaient pourris de thunes et puis tout ça, ça irait pas. Moi, j'ai pris l'habitude, quand je rentre dans l'ascenseur, je dis bonjour. Ben, on ne me répond pas toujours, mais ça ne fait rien, je dis quand même bonjour. Ou je dis au revoir quand je sors de l'ascenseur. Vous le faites un peu exprès pour oui, que ça... je le fais un petit peu exprès. Alors, ça commence à venir. Il suffit de commencer. Voilà. Là, pour les fêtes de Noël, j'ai accroché à ma porte, j'ai accroché du hou, puis j'ai marqué « meilleurs vœux ». Eh bien, il y a quand même quelqu'un qui a écrit en dessous « merci ». Vous voyez, sur le palier. Enfin, on voit les gens que si on a envie de les voir. On ne subit pas tellement la présence des voisins. Des fois, on se rencontre au vide ordure. Et puis alors, bon, ben, bonjour, bonsoir, et puis voilà, c'est tout. Moi, j'habite la Tour Athènes. Quel étage ? Au 10e étage. Tu as beaucoup d'amis ? Plein ! Voilà ces deux-là, j'en ai celui-là, il y en a plein, plein, plein. Et d'où est-ce que tu es venu avant ? Moi ? Oui. Où j'habitais avant ? Le Liban. Nous avons des Cambodgiens. Dans un coin, je crois que c'est des Brésiliens. Alors là, on ne les voit jamais. On voit que les gosses. Et encore les gosses, on ne les voit pas souvent. Il y a pas mal d'étrangers oui. ici. Est-ce que ça vous paraît... Moi, j'aime bien. Oui. Moi, j'aime beaucoup quand c'est cosmopolite. C'est peut-être des souvenirs du quartier latin. Mais par contre, je trouve que... Au niveau des classes d'âge, c'est très homogène. Il y a beaucoup de gens qui ont à peu près notre âge. Beaucoup de jeunes ménages. Avec d'ailleurs une sorte d'explosion démographique. Je suis sûre qu'entre le printemps et l'été dernier, il est né au moins un à deux enfants par étage. Et un certain nombre de personnes qui m'ont proposé « Si vous avez un problème, je peux vous aider, gardez vos enfants si vous voulez sortir. » J'ai trouvé ça assez sympathique et j'ai pensé que ça, c'était quand même lié à ce phénomène de Tours. Non, essentiellement, les contacts se font à travers les enfants. Ça a tendance à devenir un petit peu un village, c'est certain, mais ça n'a pas été évident au départ, car il y avait une sorte de ségrégation qui se faisait entre les différents habitants des Tours. Malheureusement, il y a la ségrégation sociale. Par Et exemple. Elle se fait, mais très doucement, mais elle se fait. Par exemple, les mecs de Rome, ils vont pas tellement avec les mecs de Scovalet, ni avec les Tours... Les grandes tours, à Athènes, on va chacun dans notre tour. Comment ça se fait, ça ? C'est comme ça, on cherche pas à connaître l'autre. Vous êtes raciste, presque ? Non, quand même pas. Quand non, même, mais on je se veux parle, dire on raciste, parle. Tu dis, toi, t'es de Rome, alors t'es non, pas de chez pas moi. Non, pas du tout, non. On se connaît, on se parle même. J'en connais beaucoup, quand même, de Scovalet. Seulement, ils préfèrent rester entre eux, nous aussi. Les vieux, ils sont chacun dans leur coin, mais les jeunes, ils se rassemblent. Les vieux, c'est chacun pour soi. Le voisin, regarde-le, ça sert. Ce que j'aime pas aussi dans les HLM, par exemple, c'est la mentalité des gens. Ouais, ils sont un peu ils sont toujours en train de se bouffer le nez. Ils essaient de se faire des vacheries entre voisins, quoi. En tant qu'historienne, du moins comme ancienne étudiante en histoire, j'ai
Enfin, je sens assez facilement les problèmes de vie en communauté et toute la manière dont la vie communautaire, par exemple, dans les villages, a pu se détruire, avec la disparition des fêtes, avec la disparition de tas de systèmes d'aide collective, d'entraide, etc. Et comment les gens sont absolument déracinés en ville. Mais après tout, on pourrait essayer de recréer d'autres structures dans lesquelles les gens se retrouvent et reforment d'autres communautés. Le béton, c'est une forêt. Ça donne une sensation de malaise, d'étouffement, d'écrasement, qui est très désagréable et très oppressante. J'ai l'impression d'être comme une fourmi. Il n'y a pas les bruits d'oiseaux, il n'y a pas la route, il n'y a pas les arbres, il n'y a rien, il y a le béton. Cet univers de béton, je pense, est supportable. Je connais beaucoup de personnes, dont des spécialistes d'architecture, d'urbanistes, des sociologues, qui habitent cette cité et qui sont satisfaits de leur sort, comme habitants. L'univers de béton, regardez n'importe quelle rue de Passy d'il y a 100 ans, qui est un univers de pierre noire. Mais je suis certain que c'est 10 fois pire. Or, la comparaison, elle est entre les deux. Elle n'est pas entre aller vivre à la campagne et aller vivre dans les tours. Mon problème est un quartier de Paris. Et bien, pour un quartier de Paris, je pense que par rapport à ceux qui sont faits auparavant, on a fait ce qu'on a pu pour que ce soit plus vivant, plus multiple, plus riche. Et le béton ou la pierre ou la vieille pierre noire, c'est pas plus beau l'un que l'autre. Hein. Que répondre ? Rien, probablement. Et pourtant, la riposte est déjà venue. Le nombre particulièrement impressionnant d'animaux de toute nature. C'est ainsi que la vie se charge de malmener ceux qui tentent de l'étouffer. Le matin, la cage 5, elle est propre. Et l'après-midi, on a tout sale. Il y a plein de papiers partout. Il y a plein de cuisses de chien et puis on peut rien faire. Et puis les plantes ne poussent pas parce qu'il y a des chiens qui pissent dessus. Il y a des gens qui mettent des papiers dans les bassins. Alors on ne peut plus faire rien. On n'a aucun contact humain. On est environné de tours. C'est à peine si on peut reconnaître sa porte. Les gens viennent vous voir. C'est des numéros. Nous sommes en numéro d'ailleurs. On ne connaît pas ni Madame Attel, ni non, c'est numéro Attel. Et les gens tournent vraiment dans la tour de Babel là-dedans, vous savez, on ne se reconnaît pas. Beaucoup de ces gens égarés nous arrivent. Nous arrivent après une ou deux heures de recherche, nous disant, mais enfin, dites-moi comment je peux trouver un tel ou un tel. Oui. Bien sûr, on les aiguille, mais c'est pas raisonnable, c'est pas fonctionnel. Ces gens-là devraient pouvoir trouver leur chemin tout seuls. Tous les services ici sont privés. On paye pour tout, la surveillance, le nettoyage, l'enlèvement des ordures. Donc le service de sécurité, par exemple, même la police n'a pas le droit d'intervenir n'importe où, n'importe comment. Ça pose même d'assez gros problèmes. On a de gros problèmes de sécurité dans l'ensemble, par exemple. Le stationnement des voitures en bas empêcherait quasiment les pompiers d'intervenir. C'est quand même assez inquiétant. Non, il est bien certain qu'à certaines heures, il vaut mieux pas se promener tout seul dans les parkings. Il m'est arrivé d'avoir très peur. Oui, pourtant, je ne suis pas particulièrement effrayée. De même, je me suis promenée longtemps avec un sifflet. C'est ce que conseille le service de sécurité. Il y a eu des enfants qui ont été agressés. Il y a eu des phénomènes d'exhibitionnisme. Enfin, on est quand même à un ensemble où il y a plus de 10 000 habitants. C'est un lieu de passage aussi. Toute la publicité de ce centre avait été conçue, d'ailleurs, fort intelligemment, sur le côté loisirs. Qui était le stadium, qui était la base de tout le support publicitaire de cette action. Et bon, mais les gens ont acheté des commerces, d'autres ont acheté des appartements, d'autres sont venus en location, beaucoup surtout parce qu'on leur promettait un centre de sport avec une piscine, avec des patinoires, avec un tas de choses qu'on n'a pas normalement ni dans une ville, ni dans un village, ni dans une petite ville. C'était donc quelque chose d'assez extraordinaire. On nous promettait une vie idéale, avec équipement collectif, crèche, maternelle, centre sportif, des commerces très proches. Ça, c'était le rêve. Il y a peut-être eu un concours de circonstances qui a fait qu'à partir du moment où les commerçants ont entrepris une action en justice,
pour la réalisation d'une part des crèches, des écoles et également du stadium, que l'on a vu naître ce stadium. Et encore, il y avait encore loin du rêve à la réalité. Il y a une piscine qui fait 14 mètres sur 10, il y a une patinoire qui est en plastique. Enfin, c'est réellement un rêve qui n'est pas un cauchemar, mais qui, pour nous, a été trop long à vivre. Notre agence de publicité avait prévu, dans ses dépliants, une description très très large des activités qu'il serait possible de faire lorsque nous sommes arrivés au stade de la réalisation de ce complexe sport et loisirs qui appartient encore au constructeur. Nous avons essayé de redéfinir le plus intelligemment possible un outil au service de tous. D'où une réduction, non même pas une réduction, un choix de piscine d'une taille raisonnable et suffisante pour les habitants. Le choix du plastique contre la glace pour permettre d'avoir une salle polyvalente qui permet d'un instant à l'autre de changer de discipline, de faire du foot, du basket, du volleyball. Alors, le stadium, c'est un coin chouette pour toi ? Ouais, c'est pas mal. Malgré qu'il faut payer partout, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Il y a des jeunes là-bas, enfin des jeunes, ils sont plus vieux que nous, mais quand même, ils nous comprennent. Vous avez eu un a priori, c'était construire verticalement pour pouvoir libérer un espace qui, à l'heure actuelle, est un espace afonctionnel. Bon, il n'y a pas d'espace vert et il n'y a pas de lieu pour que les enfants, par exemple, puisque je m'intéresse aux enfants, puissent jouer en toute sécurité et surtout à des jeux qui les intéressent. Bon, autre que de faire la niche aux gardiens. On nous avait promis des arbres. Il y a 3 arbres dans un bac en face d'un magasin, et puis c'est tout, quoi. Il y a environ 4 à 5 000 mètres carrés d'espace vert qui sont répartis, qui sont morcelés en 400 et quelques bacs à terre. En jardinière, les plantes souffrent, elles demandent plus de soins, d'arrosage, etc. Et en plus, on ne les voit pas. On n'a vraiment pas l'impression, en montant chez nous, qu'il y a un demi-hectare de plantation. Il y a une absence d'espace vert. D'abord, c'est quand même... c'est très sec. Enfin, je crois qu'il vaut mieux effectivement pas parler des espaces verts à dalle, parce que bien sûr, à peu près bien nus. Sûr, ce sont des taches, des petites taches de couleur, de l'ordre de la décoration et pas du tout de l'ordre de la vie végétale. D'accord. Mais est-ce que vous connaissez les besoins de l'enfant par rapport à ses possibilités de jouer, patiner, ramper, faire de la bicyclette, taper dans un ballon, etc. Pour l'enfant. Au quoi vous pensez, vous dites les plaines d'aventure. D'abord, moi j'ai des gamins à Paris. J'ai bien connu cette vie de quartier de gamins à Paris, qui consistait d'ailleurs surtout à s'attendre d'un Porsche à l'autre pour se battre à coups de cartable, puis d'explorer les maisons en construction en ruine. C'est ça le terrain d'aventure d'un Parisien. Et je crois que ce qu'on a fait ici, c'est de leur donner plus d'espace et plus de variété que le trottoir entre une façade et un alignement de voitures en stationnement. Bien sûr, ça n'est pas le terrain d'aventure idéal, mais c'est la ville. Dès qu'il y a du vent, il n'est plus question de mettre des enfants sur la dalle, ne fût-ce que parce que ma consultation de pédiatrie serait pleine d'otites. Il y a vraiment plus d'otites ici qu'ailleurs ? Je ne sais pas du tout. Je sais que si, effectivement, vous laissez des enfants sur votre dalle ventée, effectivement, on va avoir beaucoup de travail. Les enfants sont les maîtres. Mais alors, ils n'ont rien trouvé mieux que de jouer au hockey avec des boîtes de conserve. Ça crie, ça braille, ça... Si vous voulez, il y en a tellement. Oh, les ballons. Le ballon de football, qu'est-ce qu'on a entendu ? Des hurlements, ça y est, les enfants et tout. Mais alors l'été, là, au mois d'août, on n'a pas pu avoir les fenêtres ouvertes. Alors 2-3 fois, quand même, on a alerté la sécurité, quand même. C'est interdit de faire du vélo, interdit de jouer au foot, interdit de faire du patin en roulette, interdit de faire tout, quoi. Mais comment ça, interdit ? Ah ben, il y a un gardien qui se promène et quand il nous voit en vélo, ben, il nous dit de descendre ou d'arrêter de jouer. Si on continue à jouer, il nous prend la balle. Nous confisque nos vélos, tout. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a trop de monde sur la dalle déjà ou quoi ? C'est interdit. C'est pas plus, c'est interdit. Maintenant, on a un nouveau jeu, le skate. C'est interdit aussi. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, ce seraient des espaces non rentables. Et à partir du moment où ces espaces ne seraient pas rentables, je ne vois pas quel promoteur aurait permis qu'on fasse une...
On structure dans ce vertical des espaces horizontaux qui puissent être accessibles à tous et certains protégés pour les enfants. Nombre de critiques venant maintenant que l'opération est très difficile à terminer ne sont pas très, très constructives pour nous. Oui, ben mon métier, c'est pas de jouer à plus fou que toi, hein, parce que c'était déjà bien assez fou d'avoir fait ça et de l'avoir pensé il y a 15 ans, et c'est déjà... Maintenant, c'est déjà, par rapport aux autres Parisiens, par rapport à n'importe quel autre quartier, c'est déjà un espace un peu fou. Alors, plus fou que moi... Qu'est-ce qui vous paraît le plus injuste ? D'être considéré comme le seul responsable, non pas moi-même, mais sous le terme promoteur, que notre compagnie soit considérée comme le seul responsable de l'opération, alors que nous avons fait travailler de nombreux prestataires qui ont chacun leur part de responsabilité pour les bonnes choses et les moins bonnes choses. Je me dis pourquoi ? L'ensemble de ces utilisateurs ne participent-ils pas à l'élaboration de ce type de ville ? Or, il existe des groupements de plus en plus nombreux maintenant et de plus en plus fréquents d'utilisateurs qui ont leur mot à dire et qui veulent dire un mot. Or, politiquement, ces gens-là ne peuvent pas dire leur mot. Et c'est ça qui est dommage. L'habitant futur de ce que je vais faire, il n'existe pas. Il n'existe pas. Je dirais pour les raisons assez simples. Par exemple, ne serait-ce que le... Je ne sais pas quand je vais construire, à quel prix ça va être loué ou vendu, quand ça va sortir. Eh bien, il se peut que toute une classe de population qu'on ait prévue, qui habite là-dedans, elle puisse plus, ou elle puisse de nouveau. Donc, même au niveau de la catégorie sociale des individus, je sais approximativement, mais mal qui va habiter là-dedans. C'est pour ça que je dis, l'habitant de ce que je fais, il n'existe pas. Et pourtant, ils sont là, vivants, multiples. Voilà, 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 j'ai fini. Et d'autres viendront et attendront aussi, malgré qu'on les nie, cette ville idéale, ou simplement même un outil à vivre mieux. Puisqu'il y a un décalage entre l'utopie, le rêve et la réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une question qu'on peut poser pour tous les grands problèmes actuels. Alors, quand la nuit efface toute querelle, vient le temps où la paix et le rêve peuvent guérir et redonner la ferveur de l'enfant. Il faudra bien un jour assumer le modernisme et laisser parler nos vrais rêves. Vous en vivez ? Je sais pas. Quelque chose pour les jeunes, parce que vraiment, on s'emmerde terriblement.